Ok, les potes, bien le bonjour ou le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite boutique. Normalement, ce soir, on a le nouveau pack que j'attends depuis un petit moment. Normalement, le pack avec trois skins, du coup, un peu enflammés. Je pense que c'est ce soir. D'ailleurs, je suis un petit peu en retard pour la boutique, je suis désolé pour ceux qui suivent la boutique rapidement. C'est que je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps. Je suis couché tellement tard la veille qu'au final, j'ai dormi. Bref, peu importe. Du coup, on est parti pour la boutique. Alors je me suis pas spoil normalement, mais vu que je savais déjà que le pack est sorti aujourd'hui, il y a moyen que mon information est la bonne. Depuis 2 jours, j'ai très hâte qu'il sort, donc on va voir si c'est ce soir ou non, mais normalement oui. Alors, ah bah, direct, je vous tombe dessus direct. Ok, le petit pack du coup en question, le pack du Mania. Et franchement, ce pack là, je l'attendais avec impatience les gars. Je sais pas si vous aussi. Donc la tenue, en vrai, je vais faire une vidéo pour la présenter entièrement. Vous avez du coup 3 skins, le skin Rana Rock, qui était la passe de combat de la première saison 5 du chapitre 1. Vous avez également le petit skin à côté, le roi des flammes, à voir comment il s'appelle. C'était le skin La Rouille aussi. C'est un skin de passe de combat de la saison 3, sur mon premier 1, du chapitre 1 également. Et le skin ici, qui est le seul skin qui est pas à base de combat, du moins avec une autre version, le skin Kuno, qui était un skin un peu tryhard de la première version, du moins. Et aussi le seul skin féminin de ce pack là, du coup. En vrai, les trois sont trop stylés. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, quoi, les gars. Et oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, très important. Et je ferai une vidéo dessus pour montrer en détail le petit pack. Vous inquiétez pas, bien sûr, tout est disponible. Le petit code de Vornak, bien sûr. On va remonter en haut. Hop. Ok, ah, on a le retour de ce skin là. Guach, du coup, avec son sac à dos, sa pioche. Alors, moi, il a fait 1600 V-Bucks. Et le pack moins cher parce que moi je l'avais déjà. On a également le planeur qu'on voit pas du tout, ok. C'est un petit bug de affichage, pas grave. Le revêtement qui est très sympa aussi. Et bien sûr, l'écran de chargement qui est plutôt stylé. Ensuite, pour ceux qui veulent que le skin, il coûte 1500. La pioche, 800. Le planeur, qui est très drôle d'ailleurs, pour 800 aussi. Le revêtement pour 500. Et du coup, si ensuite il y a quoi? Le petit skin tryhard, parce que c'est important, mais en vrai, c'est quand même un skin un peu tryhard, avec deux customs pour 1200 V-Bucks. On a également sa pioche, Caboche, qui lui aussi a deux customs pour 500, le revêtement pour 300. On a également le retour de Pascal de Guerre pour 1200 V-Bucks avec ses trois petites customs. Ensuite, on a également le revêtement qui va avec 500 V-Bucks. Je me demande si je vais pas finir par le prendre, parce que j'aime bien le côté militaire en vrai. On verra bien un jour peut-être. C'est pas forcément aujourd'hui, mais un jour. Le retour du chef, d'accord, du groupe Panda. Ok. 2000 bugs, normalement c'est genre le skin, normalement il sort pendant les événements. Mais il sort, voilà. Même si ça fait un petit moment qu'il n'a pas sorti, logiquement il devrait sortir que le moment du nouvel an chinois. C'est juste mon avis les gars. Sorti il y a très longtemps en vrai. Je crois que c'est le deuxième skin version Panda, ours entre guillemets. Non, je crois que c'est le troisième. Je crois des bêtises, que le premier c'est le cœur. Espagne Gala. Le deuxième, c'était celui qu'on a eu quelques jours, du coup, version USA pour l'événement du 4 juillet. Et là, celui-là. Après, on a eu d'autres, hein, bien sûr. Et voilà. Le skin Wang Kong, 2000 bucks. Avec son sac à dos. Jusque-là, on est bon. On a également la pioche. Qui est plutôt sympathique d'ailleurs pour 1200 bucks. Même si elle est un peu chère, je l'aime bien cette pioche-là. On a également, du coup, la body quotidienne, le petit skin Egiri, 800 V-Bucks. On a la guerrière radieuse qui était un skin rare avant pour 1200 V-Bucks. On a la déhanchée également, la petite imbo de 500 V-Bucks. On a la chaise de bureau pour également 500 V-Bucks. Et pour finir, on a également le Sato infini pour 500 V-Bucks. Et la box, du coup, une petite danse aussi plutôt sympathique. Et ah, on a aussi le retour de ce skin, ok. Bon, c'est la deuxième version, malheureusement, c'est pas la première version du skin Black Widow. Ceux qui se rappellent, il y a deux versions de Black Widow. Et la plus ancienne n'est pas ressortie. Peut-être qu'elle sortira un jour, je sais pas. Donc, Black Widow, du coup, avec son pack. Bien sûr, c'est moins cher le pack, mais parce que moi je l'avais déjà acheté à l'époque. Et le planeur qui va avec, du coup. Le skin il coûte 1005. La pioche, 800 bucks. J'adore cette pioche en vrai. Le planeur qui sort également. Et on est bon. Il est toujours disponible le petit pack de ce skin avec tout l'ensemble, etc. Pas besoin de vous le montrer, vous connaissez le pack. Voilà, donc franchement c'est la même chose.
Parce que là, on est bon, toujours disponible également. Eh, Batman, c'est vrai, faut que j'achète, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai pas pu l'acheter parce que j'étais pas vraiment disponible. Et je vais finir par m'acheter le pack juste après la boutique. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et sur ce, à demain. Ciao bye. Simmer.